Et salut tout le monde, je vous retrouve pour un nouvel épisode de YOLO Mineshaft. Et aujourd'hui on va s'intéresser à Tinker Construct parce qu'il y a Lilian qui m'a demandé de lui faire une hache et une pelle. Vu que sur le serveur on fonctionne un petit peu par le système de trade. Donc d'échange contre l'argent là, je sais pas si si je vous ai déjà montré l'argent là ici. Et du coup, on s'échange contre de l'argent, les services et tout, comme là, ça sera les pioches et tout. Du coup, j'ai le papier de ce qu'il m'a demandé. Là, il m'a demandé une hache, une pelle en alumite et les sticks et les croisillons en bronze. Du coup, c'est ce qu'on va déjà faire. Et après, il y a les améliorations plus tard. Donc là, ce qu'on va déjà faire, c'est faire les têtes en alumite. J'ai déjà tout préparé, donc on va dans la smeltery, hein, voilà. Du coup, un alumite qu'on va déjà faire fondre, et le reste c'est de ça, 5 silver et 2 fer. J'ai été me renseigner avant, parce que je les connais pas par cœur, hein, rassurez-vous. Et celui-là, c'est déjà un que j'avais fait quand j'avais fait mes épées et tout. Donc on va prendre, il nous faut ça. Ça et la hache et pelle. Du coup, il nous faut pas ça. Hop. Et du coup, ça va être en bronze le manche. Ça va être en bronze. Du coup, faudra faire du bronze aussi. Je sais plus si j'en ai encore un peu du bronze. Ça, c'est ce qui sert à faire les moules. Non, du bronze, je n'en ai plus. Je n'en ai plus. Voilà. On attend que ça fond. Donc, comme vous voyez là, vous voyez de la. Du liquide en fait. Et c'est le minerai fondu. Et ça met super longtemps à fondre là, l'obsidienne. C'est super long, le fer il va bientôt avoir fini. Voilà. Et à la fin, vous voyez là, ça se met sur des couches superposées. Je peux changer les couches comme ça pour celles que je veux faire fondre, mais là ça me sert à rien. Vu que je veux le mélange, donc là je dois attendre que l'obsidienne soit fondue pour mélanger. Pour que ça se mélange et que ça fasse de l'alumite en fait. Et pour l'avoir en lingot, je dois avoir ce moule-là en fait. Et ça, c'est les nuggets. Voilà, donc là j'ai un alumite, donc je peux déjà placer mon alumite en bas. J'ai qu'à appuyer là, et hop, ça va faire fondre ma tête de pioche. Et pas ma tête de bite, lol. On se tape des barres. Et c'est censé se mélanger, et ça ne se mélange pas. Pourquoi? Attendez, je vais voir ça. Hop. Et aluminium. C'est ça que j'ai. Ah, ok. Ça n'aurait jamais pu marcher. Ça, c'est l'affaire. Parce que c'est avec de l'aluminium. Voilà. Du coup, le silver, on va le foutre tout en bas. Voilà. On va prendre ça. On va prendre. Du coup, je vais vous montrer le lingot. Un silver. On est censé avoir 7 silver, je crois. Un truc du style. J'en ai mis blindé. Du coup, vous voyez comment on fait les lingots. C'est plutôt pratique. Ah, voilà, ça se transforme en alumite, c'est parfait. Je suis occupé de couler, mais ok, c'était le dernier. Par contre, on a trop d'obsidienne et de fer, donc c'est pas grave, on en fera aussi des lingots. Ouf. Ah.
ce que je vais faire de suite, parce que si pas, ça va faire de mélange et tout, ouais. Je vais plus m'en sortir. Donc là, on fait des lingots d'alumite, ce qui est tout à fait normal. Et il reste de l'obsidienne. Pour faire du fer. Si ça veut éviter de bugger. Et vous voyez l'obsidienne aussi, on peut la transformer en lingot. Ah, barre de poème, il est là. Oh, voilà, du coup, ça on peut ranger ici. Il reste que la tool rod qu'il faut que je fasse. Et ça, je peux ranger ici ça. Je vais dormir avant. Parce que si pas, il y a des mobs et tout qui vont spawner sur ma plage. Et il y a encore des putains de creepers de merde qui vont s'exploser. Comme la dernière fois. J'ai pas envie qu'on abîme ma plage. Du coup, faut faire gaffe aux creepers. C'est pas dans ce coffre-là. C'est là. C'est du copper. C'est 3 copper. 2, 3. Et un tin. Je dis pas de bêtises. Je vais vous dire ça. Ouais, c'est ça, c'est bien un tin pour 3 copper, donc on attend que ça fonde. Et ce que vous voyez qui est bien, c'est que chaque minerai a une vitesse de fonte différente. Comme là le tin. Il est plus rapide à fondre que le copper, donc comme dans la vraie vie. Voyez. Et donc ça utilise de la lave, c'est pour ça que là j'ai un truc de lave, et il se vide petit à petit, et ça c'est un tank supplémentaire pour transvaser. Et là aussi au-dessus, faudrait que j'aille en chercher de la lave, mais bon, je m'en sers pas énormément de Tinker, là c'est surtout si on me demande. Mais bon, faudrait que j'aille dans le Nether avec vous chercher. Du truc bleu là, j'ai oublié le nom. Ah là, on a 4 lingots de. De bronze. Du coup, on devra sûrement faire des nuggets. Pour ce qui reste. Ah non, 3 lingots, ça va. Ça utilise une demi à chaque fois. Hop, et du coup les lingots, bah on les refait fondre et on peut refaire du truc. Et ce mode-là, c'est un mode que j'apprécie particulièrement. C'est un petit mode sympa, la mécanique et tout sont bien. Quand vous pouvez le voir, les trucs des fluides sont géniaux. Et ça, les trucs, on peut faire des lignes pour faire, je sais pas moi, enfin ça sert à rien quoi, mais plusieurs moules, etc. Enfin c'est un truc de malade. Mais ça sert à rien. Du coup, là, on va aller dans notre forge. Enfin, c'est pas vraiment une forge. Mais voilà, tout le forge. On va sélectionner la hache. On va venir placer ça. Notre stick. Boum. Placer ça. Notre stick. Boum. Ça nous en fait deux. Après, il m'a demandé. Il m'a demandé des. Des améliorations dessus. Alors, parce que oui, c'est pas fini. Comme vous pouvez le voir, les miens, là, eh bien, ils ont. Donc, ils ont un manche vert comme ça. Comme l'épée et la pioche. Et c'est normal. C'est parce que j'ai de la mousse. De la mousse. Ça. De la ball of mousse. Qui permet de. L'auto-régénération, c'est ça que vous voyez dans mes vidéos. La pioche, elle est usée. Et de l'épisode d'après, par exemple, elle est pleine de vie. Parce qu'en la gardant en main, en fait, elle garde elle se régénère, en fait, tout simplement. Genre, on peut faire des kunai.
ça sert à rien, mais c'est marrant. Du coup, là, si on va dans Forge, on peut la renommer, on peut rajouter des améliorations. Donc, suffit de mettre ça là, comme ça, et placer, hop. Donc, c'est le maximum, c'est le 2. Voilà, il peut pas y avoir plus. C'est pas trop cheaté, donc ça va. Alors, il m'a demandé quoi d'autre? Tour hypersémie, renforced. Ok, donc je pense que c'est de l'obsidienne. Je suis pas sûr s'il faut la transformer ou pas. Ouais, il faut la transformer. Merde, ah, je me trompe toujours. Obsidienne, il faut. Obsidian plate, c'est ça, je crois. C'est ça, je suis dans la merde parce qu'il me faut un compressor. Je suis pas sûr que ce soit ça qu'il faut mettre parce que c'est pas le même mode en fait. C'est ça le truc. Je vais essayer avec un lingot. Si c'est pas ça, tant pis. C'est pas ça. Bah, on va essayer de se faire un compresseur du coup. De toute façon, on aura quand même besoin. Putain, c'est pas là-dedans qu'il faut que je marque. Compressor. Le compresseur de base. S'il vous plaît. Ok, bah il faut un basic casing machine. Ouais, oh, c'est super simple en fait. Du coup. Pop, 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 pop. Faut de la stone. Ma stone elle est en dedans, je suis con. Stone. On va déjà faire un. Ça. Ça, marteau, je sais pas si j'en ai encore un ou s'il faut que je m'en refasse un. Non, c'est bon, il est entier. Ouais, bon, on va faire ça là. Putain, je voulais pas que ça va. Ah, j'en ai déjà 6. 8, 9, voilà. Basic casing machine, basic machine controller là, machin. J'espère que c'était ça et pas autre chose. Basic machine, machine casing. Il faut ça. Boom. Ça, 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 ça. Et on a un compresseur. Super. L'enjaillement. Ouais, essayer de le mettre là. J'ai de la place. Commence à avoir manqué de place ici. Du coup, le compresseur, on va le mettre là. Il est pas du bon sens, super. Voilà. Voilà, j'ai mon compresseur. Normalement, si je fais ça, putain, faut de la dust. Est-ce que ça, ouais, il veut pas le prendre. Ça, normalement, c'est censé faire. Oh, le temps que ça va mettre. Ah non, ça va. Non, j'ai rien dit. Du coup, il en faut deux. Ça en donne deux normalement. Si ça en donne. Ça veut dire Aurélien, va bien se faire enculer. Ça veut dire ça. Voilà, et là c'est le moment. C'est là. Merci d'avoir dormi. Et là c'est le moment où c'est ça ou c'est pas ça. Et si c'est pas ça, je pète un câble. C'est pas ça. C'est pas ça, du coup, ben on vient de se faire enculer. Voilà. Voilà. Semblait bien que ça allait pas être ça. Bon, par contre, on les a comment, les obsidian plates là?
Bon, attendez, je reviens tout de suite, je regarde comment on fait pour avoir ça. Alors, c'est bon, j'ai trouvé comment on fait. En gros, faut mettre un pattern, donc voilà, celui que j'allais chercher. C'est avec la forge que ça se fait. Donc j'espère que ça, je vais pouvoir les faire fondre, parce que si pas, je suis dans la merde. Enfin, j'aurais de l'obsidienne gaspillée, quoi. Donc du coup, ça se fait là. Voilà, stencil, on fait ça. Boum, c'est ce truc-là. Pour avoir les large plates. Machin. Après, on va avec du bois, tout simplement dans le truc d'à côté, faire ça et se mettre ça. Et normalement, ça ne marche pas. Comment ça se fait ce truc-là? Ok, bon, on va essayer avec du. Attendez, hop. Avec le bois, ça marche pas. On va mettre de la stone ou bien. Attendez, je vais essayer de mettre de l'alumine. Aluminium brass, ouais, j'allais dire de l'alumite. De l'aluminium brass, pour voir ce que ça donne. On peut qu'essayer. Parce que là, je suis paumé. En plus, il veut pas m'indiquer comment on le fait. Celui-là. On peut qu'essayer de le faire ainsi. Que le wood, le paper et tout, il me dit pas en fait. C'est ça le. Avec ça, j'en ai jamais fait. Ok, si je fais ça, ça ne marche pas. Très bien. C'est bien ce qui me semblait. On va aller chercher de l'os. Ou autant, on va faire du papier. On va le faire en papier. Puis ça devrait marcher pourtant. Et ils sont marrants. Attendez, c'est quand même. C'est quand même de la putain d'ironie de truc. Le machin, il me dit que pour avoir ça, je dois le faire couler dans du. Un truc fait en plaie. Donc celui-là, en large plate cast machin en fondu quoi. Et le machin pour le fondre, il met qu'il faut avoir un truc déjà fait. Mais pour l'avoir, le truc déjà fait, il faut ça. Donc, voilà. Matériel cost 8. Du coup, c'est peut-être parce que j'en ai pas assez. Et ça se fait avec quoi encore le aluminium brass? Merde. Du coup, il nous faut copper. Aluminium cette fois-ci, et il nous en faut réellement. Et du copper. Trois alus, un copper. Un copper. Trois alus. Ça va, de l'alu, j'en ai récolté. Pas mal. J'espère que c'est pour ça, parce que sinon je sais absolument pas comment il se fait en fait celui-là. Cela là. Au pire, j'aurais pu essayer en bones ou quoi, mais c'est que les wooden, je sais pas les faire. Ah, attendez, je vais essayer un truc. Si je mets un lingot de molten aluminium, vous savez, dans cette table-là, avec. Je pense pas, je pense qu'il faut le couler. Ouais, faut le couler, mais. Ouais, j'ai fait de la merde. Du coup, c'est pas ça qu'il faut faire. Bon, bah, je vous retrouve quand ça c'est fini de couler. De fondre, pardon. Je vous retrouve quand ça a fini. Et donc, voilà, on en a assez, on en a 9. J'espère que ça va marcher, croisons les doigts. Putain, nique sa mère, ça marche pas. Ouais, j'en sais absolument rien. Attendez, je reviens tout de suite. J'ai oublié de charger sur les wikis là, parce que je suis paumé. Ce truc là, je m'en suis jamais servi. C'est la première fois que je savais même pas à quoi il servait en fait à la base. Et là, je suis paumé, je sais absolument pas comment on fait pour.
pour l'avoir parce que ça marche pas en fait. Ok les gens. Tout con. C'était tout con. Je sais pas pourquoi que les autres trucs ça a pas marché. En plus, je crois que j'en avais dans un coffre. Je suis un gros con. Voilà. On peut applaudir. Non, ça. Non, non, j'en avais pas. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Je suis pas si con que ça. Il y a encore. J'ai encore de l'opsy là en plus. Ah, attendez, si. Non, j'en ai pas. Non, non, j'en avais pas. Ça va. Du coup, est-ce que ça va marcher? Ça a marché. Et maintenant, je peux me faire obsidiane, machin. Par contre, là, je peux faire des lingots. Ça m'en a coûté qu'un. Cette merde. Du coup, je peux faire masse de lingots. Et ça va être du coup un épisode entièrement Tinker Construct. Moi je m'attendais à un épisode avec autre chose. Mais non. Voilà. Du coup vous aurez entièrement un épisode. C'est pas ça que je voulais. Entièrement un épisode Tinker. Et en plus, je pense faire moins long les épisodes parce qu'il y a quelqu'un ici qui m'a dit dans les commentaires de l'épisode 2, ouais, parce que par rapport à quand je tourne cet épisode-ci, je viens aujourd'hui même, j'ai posté l'épisode 2 sur la chaîne. Et un de vous m'a dit que ça, je peux pas les faire fondre, du coup, je suis un putain de baiser de la life, vous voyez. Vous voyez. Et du coup, bah, je vais les faire moins longs. Je vais faire des épisodes moins longs. Pourquoi il dort, il fait jour. Je vais faire moins, je pense plus, et faire autour de 25 minutes au lieu de 35. Mais de toute façon, les épisodes d'avance sont déjà tournés en avance, donc je peux pas faire autre. Voyez. Du coup, j'ai cherché tout sur Google, et c'est en regardant une simple vidéo d'un gars qui fait des vidéos sur Minecraft et tout, qui montrait comment faire des marteaux. Et qui avait besoin de ce pattern-là, j'ai vu qu'il mettait de la cobble et que ça marchait, donc j'ai essayé. J'ai vite fait essayer pour pas reprendre l'épisode pour rien, pour faire ah ça marche pas. Et du coup j'ai essayé, je l'ai mis et ça a marché, du coup je l'ai fait avec vous. Voilà. Et du coup vous voyez le petit connard de Lilian là, voilà, lui là, barre de poème. Eh ben cet enfoiré, et il a déjà quasi la Quantum Suit. On est encore avec l'armure de fer. Voilà. On n'a même pas la nano. Voilà. C'est comme ça qu'on peut pleurer en écoutant du Adèle. Alors, espérons que ce soit assez. On prie. C'est pas assez. C'est pas assez. Les nuggets, ils sont où les nuggets? Il en faut 8, je parie. J'en ai pas. Ah, j'ai encore un bloc là. Nanana, ça, j'en m'en servirai pour. Je sais absolument pas pourquoi. Parce que ça, je sais absolument pas à quoi ça sert. Bon, si on en a besoin, on en a. Et au pire, on le revend. Je vais rajouter de la lave dans ma smeltery. Voilà. Ça se fait tout bêtement avec des sous. Faudrait que j'aille en rechercher ça de la lave. Mais en bas j'ai enfin au query là. D'ailleurs je vais aller la voir pendant que s'occuper de fond. Ouais, et du coup je disais. J'ai un truc où il y a carrément que de la lave en dessous. Donc j'irai peut-être prendre des seaux et après balancer. C'était quoi ce bruit bizarre là? C'est quoi ce truc? Hey, hey! Il doit avoir le rush.
le zombie l'a victimisé. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il arrive dans ma vie? Vous avez vu le nombre de PV qu'il a? Ah l'enfoiré, il pleure du sang et tout. Oh, on fait chier. Mob de merde. Bah on ira pas voir la query. J'aurais dû démonter sa race directe en fait, pas attendre. Le muscle nécromancie, je pense un peu m'y intéresser, mais je pense avoir assez. Et au pire, c'est super simple à voir ça. Je vais attendre d'avoir régène, je vais défoncer sa race. Ah, j'allais dire genre, il prend pas de dégâts. Mais c'est quoi cette merde? C'est quoi ce mob là? Ah, j'ai sa tête à les tuer et tout après. On va régénérer, on va aller tuer sa tête. On va reculer. On va reculer. Ah, ça va, il est encore. Il est encore simple à buter, la query elle en est où là? Putain, le nombre de mobs qu'il y a là-bas en dessous quoi. On régène tranquille, à l'aise. Avec le petit roux à la fin là. On régène et on va lui péter sa gueule. Il prend pas de dégâts cet enfoiré. Ah voilà, il est mort. Là, il y a un peu d'uranium pour Halo. Parce que lui il s'occupe de tout ce qui est truc nucléaire et tout. Eh bien ça remplit. Parce que de la cobalt j'en ai plus. Il y a eu un bug ou je sais pas quoi sur le serveur. Dark Thermacrode. C'est le nouveau mode qu'il a rajouté ça. Mangazit, je sais pas quoi. Ouais. C'est quoi ces trucs? Aluminium. Ouais, c'est pas encore la couche du. Si, c'est dans les couches du diamant donc il devrait y avoir du diams. Ah non, mais la redstone c'est peut-être la query d'avant. C'est pas la couche du diamant, rectification. Pourquoi il y a des mobs qui spawnent ainsi là? Peut m'expliquer, c'est pas peut-être pas assez bien allumé ici. Regardez, et regardez, c'est ça le truc que je vous disais avec la lave là. Là, il y a masse de lave. Du coup, je pourrais peut-être descendre aller me chercher de l'opsy. Mais c'est risqué. Faut que je fasse, c'est ça. Je pense de l'eau, tant pis, je prendrai pas de saut de lave. Toute façon, le truc Tinker, je pense pas vraiment m'en servir pour le moment. De la lave, il y en a plus en bas dans la grotte. Bon, bah, je descends, je vous retrouve en bas. Et donc, pour la 50 millième fois, d'ailleurs, bon, tout compte fait, je vous ai pas pris le record en bas, j'ai juste récupéré ça. Voilà, de l'obsidienne, là, normalement, j'en ai assez. On va s'en mettre cuir 6. Et j'ai repris de la lave pour pouvoir remplir ça. Comme ça là il est plein. Et remplir mes tanks, j'ai pris le nombre de seaux que j'avais vide. Et voilà. Mais ça a pas pris longtemps longtemps quoi, mais vu que j'ai une pioche. Vu que ma pioche en diamant elle est quand même assez cheat. Avec Efficiency 4 et Unbreaking 3,
Du coup, ça prenait quasi pas de temps à péter les blocs de. À péter ça là, les blocs d'Opsy. Du coup, bah, c'était rapide, mais bon. Je préférais tout faire et remonter vite fait. Comme ça, c'était fait. Hein. On n'était plus emmerdés avec ça. Et là, normalement, de la psy, on en a assez. Là, je sais pas combien il manque. Voilà, donc je reprends une fois que c'est cuit. C'est fondu. Et normalement, là, il y en a assez. Maintenant, faut refaire une deuxième. Normalement, il y en a assez. Au moins, j'espère. Parfait. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on place la plate. On place ça. Bon, il n'y aura qu'un renforce. Renforce 3. Il y aura pas au-dessus. Faut pas déconner non plus. Bon, bah voilà. Ça fera un épisode, ça. Il reste 4 nuggets. Ça, je les garde sur moi. Je lui donnerai demain. Et c'est bon, on va aller replanter la canne à sucre. Boum. Tout est bon, le lead, il a fondu. J'avais rien mis. Ah bah c'est parfait. On peut retourner voir vite fait la query. Et on pourra se quitter là-dessus. Accélérer vite fait. Une pelle. Ah, la bad box elle est pleine donc on va pouvoir accélérer le truc pour que le rayon y grossisse. Plus d'Isaac s'il vous plaît en bas. Hein. Voilà, merci. Ça va super vite, c'est ça qui est cool. Petit diamant ça ferait pas de mal parce qu'il y a longtemps que j'en ai plus. Ça fait super longtemps qu'il y en a plus. On avait eu juste dans la première query, c'est tout. Il n'est pas vraiment si bas que ça, encore. Par rapport aux toits, donc je suis descendu par là, hein, vous voyez. J'ai fait tous des escaliers comme ça, en mode blédard, et après je me suis aperçu. Et ça, c'est le bloc que j'avais pété. Et après, je me suis aperçu que j'avais. Vous savez, avec Morph, vous avez l'option chauve-souris. La chauve-souris, elle vous permet de faire quoi? Elle vous permet de voler. Voilà. Et du coup, bah, j'ai tout refait en volant. Et du coup, on a le Isaac Bolly. Ça, c'est plutôt marrant. Voilà. Parce que j'ai pas de tête. Voilà. J'aurais bien voulu l'avoir avec la tête qui. Avec les larmes de sang, vous savez. Mais pas grave. Je blaze. C'est la version pas chère du Blaze. Hop. Hey, stylé! Il vole ou pas? Non, il s'est pas volé. Ah, oh, dommage. F9. Voilà. Du coup, on va faire ça. On va se remettre en normal. Hein? Voilà. On va se remettre en normal et moi je vous dis. Putain, F9, fais chier. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Roland 48226. Surtout n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, un commentaire et de vous abonner si c'est pas encore fait. Salut, salut!